C'est la crise. Pavle. T'avais été si brave. Nous avait rapporté tant de ressources durant ces 8 journées. Mais hélas, il nous a toi aussi quittés. Bon. Ok. Afin, en déprime. Ouais, ça sent. Enfin, il est triste. Oh, il s'en fout un peu de Pavle. Oh putain de merde. Biou. Ça change à chaque fois. Ah ouais, ça change. Tiens, on va lire un peu. Je sais qu'il était cruel de prendre la provision, mais c'était une question de survie, c'est pas faux. Réjouis que nous ayons décidé d'aider notre voisine. Jamais je ne pardonnerai le tueur de Boris, jamais. Quelqu'un a tué Pavle la nuit dernière, nous devons le venger. Et jour 9. Je suis la seule. Ah putain, je suis la seule restante parmi tous mes amis et ma famille. Je suis allé au gala des Oscars, j'ai parlé au moulin. Le fait de rester avec ma famille, de parler avec les miens au lieu de ça. Gâcher ma vie à rédiger des articles sans intérêt sur des bouffons et dire que je trouvais ça important. On ne sait pas ce qu'on aime tant qu'on ne l'a pas perdu. Oh putain, c'est violent. Passe pour lui. Nous pouvons culpabiliser d'avoir volé après avoir survécu à cet enfer. Préférez que Pavle n'aille pas passer la nuit dans la maison voisine. Nous avons besoin de tout le monde pour surveiller le refuge et faire des collectes. Ah ouais, lui il était. Bah, il avait peut-être raison, hein. Ça m'a tellement rien fait quoi. Avant j'étais optimiste, je faisais partie de ceux qui auraient juré qu'il n'y aurait pas de guerre. Les guerres c'était loin, dans les pays du tiers-monde du moins c'est ce que je croyais. Même quand j'écoutais les actualités et que les choses empiraient de jour en jour, je refusais d'y croire. Boris est mort la nuit dernière, heureusement que ce n'était pas moi. Ouais, il est assez égoïste. Je ne veux pas me faire tuer comme Pavle. Peut-être que je pourrais rester dans le refuge pendant quelqu'un d'autre. Pas rechercher des provisions. Ah le bâtard! Le mec est un petit bâtard. Elle pleure, elle est en déprime. Oh mon dieu! Pire, voilà, j'ai rien à faire quoi. J'ai juste à faire cliquer terminer la journée. Voilà, afin, on déprime. A besoin de repos. Ah ouais, mais tu pars collecter, hein, meuf. Et toi, tu montes la garde. Faut que j'aille dans un endroit où il n'y a pas de danger. Et danger. Beaucoup de nourriture et de médoc. On va aller dans cette maison. Il me faut de la nourriture d'urgence. Après, les ressources, on voit ça plus tard. Faut que je me refasse, mais... Bon, tout n'est pas perdu. On va essayer. Là, je vais essayer de faire doucement. C'est pas possible. Il faut de la nourriture, un truc de fou. Allez, hop. Ah, ce qui s'est passé coup sur coup, c'était dur, hein. On a perdu Pavle et Boris. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, salut. Les mecs se barrent comme des... Ils vont se cacher. Ils ont peur. Des personnes âgées. Bah ouais, bah écoute, honnêtement. Je suis désolé pour vous. Hein. Il me faut de la bouffe. Oh, ouais, là je suis désolé. Hein. Et ça c'est à moi.
Je sais, c'est dur ce que je vous fais, mais la meuf est déjà en déprime. Hein. Je suis en train de leur faire ça aux personnes âgées. On va dire qu'ils en ont plus besoin parce qu'ils vont... sont vieux. Katia, tu es si jeune. Faut essayer. Faut pas avoir peur de voler les choses ici. C'est une question de survie. On m'a bien tué, hein, alors hein. J'ai plus de scrupules. Il y a une lettre de Papy Bernard. Oh, allez, nous sommes contents d'apprendre que tu commences à apprécier la vie avec Tata. La guerre n'est pas si terrible, mais ce n'est pas agréable pour les enfants. Il paraît qu'elle sera bientôt terminée, donc je... Donc ne t'en fais pas pour nous, mamie se sent mieux. Elle m'a dit de ne pas t'en parler, mais elle garde de la farine pour te faire des biscuits que tu adorais. Pour ma part, je te promets de réparer la balançoire quand tu reviendras. Médoc. Tant qu'à faire, on verra bien. C'est galère. Ah, des bandages. Ça pourrait être intéressant. Bien quand même, tout ce qu'il y a. Prendre les bandages. J'ai trouvé de l'eau. La bouffe. Ça valait le coup. Avance, avance. Ouais. Si j'ai fait, je sais plus. Je pense. Porte verrouillée. Vraiment mon sale juif là. Enfin, je vole beaucoup de ressources. Verrouillé. Et vous allez m'ouvrir hein. Ouais, je vais prendre ici, j'ai histoire de me blinder en ressources là, il me manque une planche comme ça. Il me manque une planche. Ouais, il n'y a pas beaucoup de ressources, bah tant pis, mais au moins j'ai de la bouffe. Allez, on se barre de là. J'ai de la bouffe pour ces prochains jours. Elle va vraiment lentement. Bon, au moins personne n'est mort, j'ai ramené des ressources, c'est important, ça faisait longtemps. Jour 10. Alors, j'ai apporté les bandages. Maintenant, regardons un peu cette blessure. Effectivement. Nous avons été pillés. Oh mon dieu. Oh, ce qu'ils ont volé. Ça y est, ils ont réussi à voler. Mélancolique. A très faim. A besoin de... Oh mon dieu. Bon, ok. En déprime. De légères blessures. Alors, déjà tu vas appliquer le bandage. Et à très faim, tu vas faire à manger. Ou non, tu peux tout simplement manger les conserves. À très faim, est-ce que je vais devoir bouffer deux fois aussi? Enfin, effectivement, dur. Et tu vas te faire quelque chose. J'ai plus de bois. Bon, allons-y. Bon, ça va faire froid, 19 degrés. Ah, de nourriture ici, bien. Alors, il me faut... Je vais prier les bouquins en
Voilà, il va refaire chaud. Je vous le promets. Voilà. Il fait chaud, c'est bien. Tac. Est-ce qu'on peut bouger même? La meuf ne veut plus rien entendre. Au secours, s'il vous plaît, aidez-moi. Comme tous des bandits à présent, j'en ai marre. Ah ouais, toi t'en as marre, mais... C'est encore notre voisine, ça, hein? Cette preuve d'humanité. Encore moi. Ouais, c'est bien elle. Alors... Pouvez-vous nous protéger? Alors là, je le sens venir de loin. Encore moi, hier, j'ai vu un groupe de types louches en train d'observer ma maison. J'ai tellement peur, ils vont peut-être essayer de nous cambrioler. Ou pire encore, ma fille n'est qu'une adolescente. Est-ce que vous pourriez nous protéger pendant une nuit ou deux? Vous pouvez vous servir du fusil de chasse de mon mari? Non. Non. Ça va la... Ouais, mais bon, je peux pas... Au revoir. Allez, attends. Ah, il faut que je la... Je dois la nourrir moi-même. Sérieux? Je peux lui parler en plus. Ah, c'est bien fait quand même, mais bon. Allez, va manger. Allez, viens, regarde, mange. Eh oui. Je dois m'occuper d'elle tellement elle est en déprime, la meuf. Dur. Un peu de rab. Enfin, bah voilà. Je vais t'apporter des... Déjà, on va parler. Toi et moi. Ok. Katia. Reprends-toi. Ça me va plus. S'il te plaît, Katia. Oh putain, ça dure longtemps. Putain, c'est bien fait, n'empêche. Il faut qu'il bouffe et tout, j'ai pas le temps. Abandonne pas, bah oui, il faut pas abandonner. Voilà, allez, reprends-toi. Je sais. Eh oui. Et ouais, ce jeu, il est bien fait, hein. Je crois que je vais me faire plein de parties de ce truc là. Allez, c'est bon. Non. J'ai pas le temps, faut que je fasse à bouffer. Oh là là. Oh le massacre. Pas le temps, hein. Pas le temps. C'est bon, vous avez fini. What? Ça y est, ça ne sert à rien. Katia a volé chez un con. Que nous est-il arrivé? Ah la vache. Ah putain, ils sont complets, ils sont tellement déprimés. Waouh. Ok, bon, vite, vite, faut faire à manger là. Allez. T'as faim. T'as besoin de repos. Beaucoup de repos, même tu veux pas bouger aussi. Vas-y. Tu veux pas juste aller dormir? Meuf, je te jure, t'es chiante, Katia. A besoin de repos, ouais, bah ouais, mais bon, que veux-tu? Voilà, là, c'est la fin de la journée, de toute façon. Peut-être la nuit. Alors, tu vas dormir dans un lit, ouais. Et avec Bruno, à partir collecter. Ouais. Y'a rien de nouveau là, non? Accès indisponible à cause des... Ah! D'accord, je peux plus aller partout là. Quantité énorme de nourriture. Ouais, mais je m'en fous en fait. Je veux, ouais, c'est les matériaux. La maison close, j'ai pas été, mais c'est marqué danger. Ah, j'ai déjà visité tout ça en fait.
Je vais aller à la maison close, hein, c'est marqué danger, mais faut que j'y aille, hein, j'ai pas. Faut que je fasse quoi d'autre? C'est un risque, mais il faut le tenter. Oui, tu n'as rien sur toi, on sait. Salut, Nuclear. Alors, la première fois que je visite ce genre d'endroit. Ouais. Faut faire gaffe, c'est marqué danger. Bon, on prend tout, on fait le tri après s'il y a besoin. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, des trucs sans intérêt pour la plupart. Au milieu, on trouve un sac carmin à la mode. Lacéré comme si quelqu'un l'avait déchiré sans soucier d'abîmer la fermeture à glissière. Une minuscule photo encadrée d'un jeune homme et un carnet de poche. La personne qui les a jetés ici n'était pas leur propriétaire. Ça m'avance pas des masses. Ok. Ouais, prends, c'est bien. Et si je vais pas pouvoir passer, il me faut la scie machin. Lame de scie, ouais. Et je suis loin de l'avoir maintenant. Vu la situation. Yep, on prend. Ça a l'air grand, hein? Oui, c'est grand. Ouais, très grand même. On va pas pouvoir tout faire. Pour l'instant, c'est safe, c'est le principal. Ah, c'est pour ressortir plus vite. Ça m'aidera si je dois fuir. Ah, tu peux pas aller là-bas, merde. Et continuons. Alors. Faudrait que je ramène quoi en priorité? Ouais, c'est surtout des ressources pour construire. Ou alors des trucs pour enlever cette déprime. Hein. Alors, je sais pas, des bouquins, je crois que ça aide. Pas sûr. À tester. Ouh, ça y est, là, il y a plein de monde. Le voyage va s'arrêter là. Bientôt. C'est bon, il y a des... Ils sont en train de se flinguer. C'est quoi, ça? Ouais, bah, les cigarettes, on s'en fout. On a du bois, ça. Des munitions, j'ai pas d'armes. On va aller. Comment je vais là-haut? Je peux monter? Ah oui, je peux monter. Ah, ça tire. Fasse gaffe. Ah. C'est quoi ça? Louis d'armes à feu. Vide. Ça me sert à rien. Je vais prendre ça. Hop. Ça commence à bouger. Comment il passe par là, lui? Putain de merde. Je l'ai perdu de vue. Faut que je me barre. Ouais, je vais me barrer. Il est où? Et ils ont ouvert ici, je peux pas passer par là. Ah si, nickel. Ah, c'est comme ça. Ah bah là, je peux encore fouiller ici. Ok, et après on se voit. Là, c'est blindé. Même garder ça, c'est important. Ok.
Ouais, bon, rien de plus. Rien d'intéressant en tout cas. Et là, il y a ça. Et il y a ça. Ouais, bah ça me paraît bien comme ça. On va rentrer avec ça comme... Voilà la sortie, normalement. C'est important. Voilà. Ok, bon, on a survécu une nuit de plus. On est quoi? 11e jour, c'est ça, je crois. Effectivement. Jour 11. Cette nuit, j'ai fait une belle prise. J'espère que ça va lui remonter le moral à l'autre. Katia, ah, faut juste garder un œil. Ouais, bah, tant mieux. Ah, j'en avais marre de sa déprime. Bon, ils ont faim. Bon, elle est encore en déprime, mais elle est pas... c'était quoi? C'était... Je sais même plus c'était quoi son état tout à l'heure. Là, ça va. Bon, faut faire à manger. Après, alors, on va lui faire faire à manger à lui et... Après, au lit. Ouais, elle est toujours... Ouais, ça va mieux, mais... pas tant que ça, quand même, hein, on dirait. Deux. Nourrissant, que les aliments crus sont encore meilleurs. Je vais faire ça, tiens, j'ai pas testé, enfin j'ai pas pu tester. Il me faut deux combustibles, on va faire ça. Ah bah merci. Merci à toi, Nuclear. Tu viens d'où? Ça fait deux bouffes d'un coup. C'est parfait. Voilà. Tu peux y aller là? Ouais, quand même. Peut-être pouvoir construire quelque chose quand même. Ils ont tellement envie d'y prier. Dur hein ce jeu. J'ai fait trop de nuit blanche, oui, je vais t'emmener au lit, mais avant on va voir déjà si on peut construire quelque chose. C'est là, construction. Toujours pas, bah non, il suit. Il faut 30 bois, évidemment. Genre je l'ai fait comme ça. Ouais. Faire un filtre. Marre de tout ça, du coup tu veux pas travailler. Et voilà, ne perdons pas espoir. En plus c'est ça, hein, ça peut le faire encore. Non, pas ça. Il manque trop de choses. Bah merci à toi de passer hein, aussi. Hein. Ça fait plaisir hein, de pouvoir discuter avec des gens. Hein. Mettre ça là. Tac. Mettre ça. Après il faut qu'il parle, ouais je peux rien faire d'autre, si je peux encore aller regarder là. On va voir. Hop. Un pied de biche. Vas-y hein. Comme ça je le prendrai au cas où s'il y a des trucs à ramasser ou quoi.
Bon, on va les faire parler entre eux après, hein. Allez, parlez. La vie, tenez le coup, les mecs. Ah, c'est vachement bien fait ces relations entre les persos. Les mecs, ils peuvent vraiment littéralement péter un plomb, quoi. Mais bon. Ah, ça, c'est sûr que. On a dû se réduire à voler des petits vieux, quoi. Un peu dégueulasse, même très dégueulasse. Bon, au moins là, ils ont l'air de tu es donc allemand, j'ai l'impression, mon client. Alors tu me demandes si je parle anglais ou allemand. Je vais te répondre sur le chat, hein. Parle un petit peu anglais si tu veux parler, mais pas à l'oral. Voilà, c'est fait. Alors. Ah bah ça va être la fin de la journée, ils sont toujours en train de... Voilà, c'est triste. Et puis elle par contre elle est toujours en déprime, ça c'est pas cool. Non, c'est toi qui dois dormir. Toi, tu dois partir collecter. Où c'est qu'on va? On a déjà tout visité. Entrepôt, il y a plein de trucs apparemment. On va peut-être... peut-être y aller. Avec le pied de biche. Et on y va. On y va, on connaît cet endroit. Alors, hop. C'est parti. Alors, je suis déjà passé par là. Hein. Oui, il y avait plein de... Il y avait plein de monde, je me souviens, plus ou moins. Je crois que c'est là où j'ai eu... je devrais manger quelque chose. Alors, attendez. Allez hop. Où prendre ? Ah mais là je vais récupérer les affaires de... C'est Boris qui était là? Ouais. Cool. Ah mais ça me met bien ça. Il y a une arme aussi. Ok. Il me faut beaucoup de bois en fait maintenant. D'accord, bah c'est nickel, je vais pouvoir repartir avec ça en fait. Directement. J'ai pu tout récupérer sur lui. Mmh.
On va aller là. Ça va nous mettre bien. De toute façon, je suis blindé de ressources, enfin blindé. Il fallait que je rapporte tout ça. J'avais pas grand chose à aller voir. Bon, est-ce qu'elle est encore déprimée? Bruno se sent bien mieux, faut juste garder un œil sur lui, c'est bien. Voilà. A besoin de repos. A faim et est juste triste. D'accord. Alors si t'as faim, ils ont tous les deux faim? Oui. Tu vas me faire... Tu vas me faire ça. Alors. On va pouvoir parler avec elle aussi. Ah oui, non, c'était pas ça que je voulais, mais... Faisons-le. Il pourrait y avoir des trucs utiles. La musique classique, on s'en fout. Un cigarette et le tarot font désormais office de devise à Ogoran, ce moment la vie en se sort. Bientôt à court. Que se passera-t-il s'il n'y en a plus? Les gens fouillent les rues et les maisons abandonnées à la recherche de produits comestibles, de choses à brûler et d'objets à troquer. L'aide humanitaire atteint pas rapidement la ville, la situation va devenir désespérée. Ouais, ça c'est sûr. Hop. Ah bah, voilà. Alors, il me faut deux trucs. J'ai beaucoup de bois, là, ça fait plaisir. Je discute pas. Faire deux, un pour chacun. Comment je vais améliorer? Le problème c'est que tant que j'ai pas un survivant qui ramasse plus que Boris, j'étais deg de le perdre direct quoi. Ah, il y a quelqu'un. Des choses à échanger. Pourquoi pas, allons voir. Allons voir. Qu'est-ce qu'il a? Il a de la bouffe. Et ça, ça va pour le moment. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Il a des matériaux, beaucoup. Beaucoup de matériaux. Il m'en faut un paquet. Hein. Non. C'est-à-dire une dizaine de planches. Voilà. Hop, marché conclu. Faut que je regarde si j'ai besoin d'autre chose. Là déjà, je sais que j'en ai un. Voilà. Allez, va vite construire. Qu'est-ce que je peux construire avec? Ah, il me manque un de chaque. Et je peux le faire. Nice. Il me faut un choc. Il m'en faut un peu plus quand même. 5. 5, voilà.
Je peux te redonner ça, hein, j'en ai vraiment pas besoin. Voilà. Hop. Nickel. Allez, Katia. T'es en déprime. Voilà. Nickel. Allez, hop, un jardin de plantes. Fabriqué. Où c'est que je le mets? Je le mets là. Allez, hop, c'est parti. Passez. Ça nous met bien, ça. Allez, au revoir, monsieur. Allez. Nickel. On déprime, a besoin de repos. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Ça va être intéressant, ça. Alors, déjà pour l'augmenter. Ça, lampe à chaleur. Ouais. Objet de base. Le fertilisant dans notre jardin afin de faire pousser des herbes et légumes. Des herbes. Oh, ça est un fertilisant. On va en faire. Hein? Faire pousser des légumes. Ah, il en faut 8. Ah, mince. Ah ouais, ça, j'en ai pas 8. Hein. Construise. Allez, hop, brouille-toi. Hop, un filtre. C'est bien, hein, tout ce qu'on peut faire. J'ai perdu du temps parce que j'étais à la traîne sur le... Avec tous les morts, mais sinon... Non, c'est vraiment intéressant. Je vais quand même essayer de finir la partie, hein. Enfin finir. D'aller le plus loin possible. Hein. Bon, il me reste 2 survivants. Je sais pas si ça durera longtemps. Ça se trouve avec de la chance. Enfin, parce que si ça dure longtemps, je pourrais pas finir ma première game. Mais... Et j'aimerais bien. Allez, on va essayer de rassurer Katia. Allez Katia, je sais que t'es déprimée, mais tout va aller mieux. On a besoin de toi aussi. Même avec 2 mecs, c'est dur de... Bah avec tous les ateliers qu'on a, de regarder... J'ai toujours 2 nourritures, c'est assez pour une journée en plus. De toute façon, je fais pousser. J'ai fait pousser ou pas là? Ah bah non, j'ai pas d'eau, c'est vrai. Pour l'instant. Alors attendez, je réponds juste. J'explique à notre ami Nuclear, n'est pas français, un peu à l'écrit en même temps. Puisqu'on profiter du stream aussi. Alors, bon. Besoin de repos. Après, au pire, je peux quand même l'emmener à la plus de place. Tant pis. Où c'est qu'on va, Katia? On va à l'entrepôt quand même. Non, là il me faut des matériaux. Beaucoup de matériaux. D'énormes d'armes. Le cottage, il n'y a plus grand chose. L'hôtel, quelques matériaux. La maison. Bah non. Ouais, j'ai pas beaucoup de choix. Je vais retourner à cet entrepôt ou à l'hôpital. Bah non, l'hôpital, ils m'y attendent un peu. À l'hôtel alors. Je vais retourner à l'hôtel.
comme ça, avec une arme, on sait jamais. Allez hop, c'est parti. Hop. Alors, il y a du monde, hein. Ça a l'air d'être ok par ici. Non, mais non. On passe de l'autre côté quand même. Voilà. Allez hop. Voilà. On se sent engourdi, ça c'est pas bon. Pour moi. Alors ici on peut se barrer aussi, ce serait bien. Ce serait bien de le savoir en fait. Y'a rien. Ok, on peut se barrer par là aussi, c'est bien. Ah, où c'est qu'ils sont? Y'a deux mecs. Ok. Encore une minute. Alors je suis bientôt blindé, hein, on va pas trop s'éterniser. Merde. Ils m'ont vu. Passons-nous. Ok, bon. Ils nous ont vus, hein, fallait se barrer. Je pensais pas qu'ils me verraient à l'étage. Voilà, désolé. Jour 13. Ramener autant chacune, tu m'étonnes. Ouais, non, ça va, là, c'était pas mal. Oh, nous avons été pillés. Bruno a été légèrement blessé. Ils ont pas volé grand-chose. Mais bon, c'est assez suffisant juste pour être loup. Ils ont blessé mon mec alors qu'il dormait, quoi. Quand même honteux. On déprime. Alors lui, il a faim. Allez hop. Ah, j'ai plus assez d'eau. Ah si, juste assez. Mon dieu. Ça devient critique. Pas ramener tant de ressources que ça en fait, j'ai l'impression. Hop. On mange. Et c'est bon. Il me faut de l'eau.
Ouais, bah pour l'eau, oui, il faut toujours pareil. Je vais faire ça. Elle dort. On peut aller lui parler après hein, aussi. On peut aller lui parler. Je vais sûrement le faire. Pour qu'elle arrête de déprimer. Dans ce cas, ça clope. Ah tiens. Je voudrais vous parler. Ok, allons-y. Qu'est-ce qu'on nous veut? Alors, est-ce que je peux rester avec vous? Pardonnez mon intrusion, désolé d'avoir à vous demander cela, mais serait-il possible de rester avec vous quelque temps? Je ne peux pas rentrer chez moi, j'ai essayé de rester dans mon cabinet d'avocat, mais la zone est devenue très dangereuse, je n'ai vraiment nulle part où aller. Ah oui, vas-y. Très bien. Ça me plaît. C'est très cool. Elle est là, voilà, Emilia. Avocate talentueuse, elle est malade. T'es malade, tu vas prendre des cachetons. Et là, bah là pour l'instant on peut rien faire parce que je n'ai plus d'eau. Mais bon. Ça viendra. On déprime, à de légères blessures. Ah c'est relou quand même. Bon écoute, va lui parler. Elle a besoin de repos. Non. Elle est malade. Ok, d'accord. Allez hop. J'ai besoin de nourriture, j'ai plus rien là. Embêtant. Mes affaires, j'avais. J'ai très peu de ressources là pour 3 personnes en fait. Je suis en train de voir, mais mais bon, il va falloir. Hein. Bah on va essayer de la rassurer, on a encore le temps. Et encore du bois un petit peu. Bien, c'est même pas traduit là. C'est marrant. Je l'ai mis en... Moi je préfère en anglais, mais bon j'ai mis en français pour que bah, vous puissiez comprendre au mieux. Mais bon, on voit que le jeu vient de sortir, il y a encore des trucs. Il y a des traductions un peu bizarres, comme pour tout, hein. En voie de rétablissement, c'est bien pour Emilia. Emilia, ouais, y a rien de plus, elle boit du café, d'accord. Bon, là, on va les laisser. Terminer la journée, hein. Voilà. Alors... Emilia, ouais, c'est une... Elle est talentueuse, mais... Mais ce n'est pas un bon collecteur. Dommage. Triste. Elle a de légères blessures, mais tu vas monter la garde quand même. Katia... Bon, on va partir collecter avec elle, alors. Où c'est que j'ai pas été encore? Le cottage abandonné, 54 pour... 59... Ouais, l'hôpital, ouais, mais bon. Le bombardé, c'était il y a 9 jours. On va y aller. Je me rappelle, je crois qu'il me faut ça et... Ça et ça, je crois que ça ira très bien. Allez, il me faut de la nourriture, on y va. Allez, hop. Voilà. Et il y a déjà des... quoi qui est là-haut. Ok, c'est rien. Ah ouais, c'est plus rapide avec une pelle. Ça c'est sûr.
Je me rappelle, j'avais tellement galéré. Là au moins. C'est vite fait. On déblaye tout ça. Ici on peut récolter. Là il y a quelqu'un, je crois. Je peux me battre avec la pelle. D'accord, ça c'est bon à savoir aussi. Il y a plein de trucs. Quoi? Un homme qui dort. Ça réveille pas. Non. Il y allait doucement là. Dorment tous, ok. Je sais pas si c'est agressif ou pas. Eh oui, je suis là. Bon, ça va, il est pas... Ils ont l'air gentils, les gens ici, donc on va... Enfin, il y a quand même un truc pour se barrer, hein. Je vais pas dire, mais... Bon, on va faire comme si de rien n'était. Il y a des... Ah bah ouais, mais oui, je peux pas y aller. Bon. C'est dommage. Et hop. Ah oui, de la nourriture, ça serait parfait. Dis-moi qui en a. Ah, y a que ça, c'est pas suffisant. Mais bon. En plus, ils vont être encore déprimés d'avoir volé tout ça. Là. Bon, pour l'instant, on prend. Hein. Eux, ils sont armés. Eux. Ils ont pas l'air gentils. Pour l'instant, je vais rester à l'écart. Rien. Ok. Une cuisine, ça? Bon. Ah, c'est une pharmacie. Ça pourrait être bien. Tac, tout prendre. Alors maintenant j'ai un souci par contre. Alors on va voir si on va pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il y a là? On fait ça. J'espère que ça va pas éveiller les soupçons. Ok, c'est bon. Nickel. Bah voilà hein. C'est tout ce qu'il y avait, c'est juste pour ça quoi. Heureusement que j'avais un pied de biche hein, parce que... Non, c'est un peu l'arnaque. Ok. J'ai un peu visité partout là. D'accord. Ouais, il n'y a que en haut à aller voir quoi. Je peux pas aller, mais c'est pareil. J'ai loupé quelque chose ici. Non. Mais si, j'ai fouillé quasi partout, j'ai l'impression. Je ne sais pas comment atteindre cet endroit. Piste. Bah, on va courir vers la sortie, hein, y a rien d'autre. Allez hop. Et nuit tranquille. Emilia. Elle s'appelle, j'avais pas vu.
J'avais pas fait plus attention que ça. Jour 14. Alors. Par contre, y a pas à manger quoi. Mes jambes. Ouais, j'ai plus à manger. J'ai légèrement malade, besoin de repos. Légèrement malade, vas-y, reprends. Hein. Toi, de légères blessures, pas faim, triste. T'as pas besoin de repos, non? Si. Allez, Bruno, tu dors. Ok, jusque-là, c'est normal. On va de rétablissement. Sous médicaments, on a besoin de repos. Voilà. Et toi? On va aller voir un petit coup de radio. Remettre du. Il y a toujours quelques trucs à faire quand même. Même sans ressources. Alors. Les forces des rebelles et du gouvernement sont engagées dans de violents affrontements dans toute la ville. Certaines zones ont été complètement isolées tandis que d'autres sont témoins de terribles combats. Voilà. En raison des récentes pénuries, le prix des cigarettes et du tabac est devenu extrêmement élevé. Beaucoup de gens ont besoin de cigarettes pour se calmer. Mais comment rester calme face au prix à payer? La musique. L'air est frais avec des nuages et des risques de pluie. Notre conseil pour les nuits froides, prenez un bon livre et une tasse de thé chaud. Voilà, y a rien d'autre. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Vas-y là. On a quoi comme... D'accord, il y a l'équipement, on se casse. 7, 3. J'ai juste de quoi faire... Il faut des ressources, c'est pas possible. C'est pas possible. Bon. Hop. Hop. Voilà. Il y a quelqu'un à la porte. Oula! Un truc pour vous. Qu'est-ce que c'est? S'il vous plaît, écoutez-moi. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Nous habitons à quelques pâtés de maison d'ici. Quand vous avez trouvé refuge dans ce bâtiment et que nous allons être voisins, nous avons décidé de venir vous dire bonjour. Nous avons apporté quelques légumes de notre jardin. Bon appétit. Ah bah ils sont gentils, oui. Nous devons nous entraider, ils sont sympas. D'accord. Ok. Merci beaucoup. J'aurais jamais fait ça. Du coup on va les manger. On va les manger. Toujours faim. Voilà. Ici on va faire un filtre pour ça. Ah mais de l'eau j'en ai ramené je crois. Mais bon on n'a jamais assez d'eau j'ai l'impression. Hop, un filtre. Je dors toujours. Hop. Là, je me demande comment on fait quand on a beaucoup de survivants. Et... J'en ai perdu trop, j'en ai perdu deux déjà, ça. Ouais, deux. Alors, tu vas voir. Ah bah voilà. On peut en faire. Voilà.
Ah, c'est bien. Afin, il a plus besoin de repos, ça y est. Oui, afin, donc va manger. Ils sont en train de se rétablir quand ils sont en train de se... Et... Voilà. Hop, mets-toi là. Voilà. Et puis, on va terminer la journée. Voilà. La nuit. Qu'est-ce qui se passe? Katia, t'es juste triste, tu vas partir collecter. Enfin, elle est légèrement malade, sous médicament. Je dois monter la garde. Oh, où c'est que je peux aller maintenant? La maison calme, on a déjà été. L'hôpital. Quelques matériaux, il me faut beaucoup de matériaux. Et de la nourriture, ok. Les matériaux me manquent. Beaucoup de nourriture, quelques médicaments. Quantité énorme de nourriture. Quelques nourritures. Ouais. Cottage. Il y a 12 jours. Bah on va aller là. Ça m'a pas l'air terrible terrible mais bon. C'est mieux que rien. On va prendre l'arme, on sait jamais. Hop. Ah oui. J'ai bien fait d'y retourner. Ça c'est bien déjà. Voilà. Hop, continuons. Ah, faut que je prenne tout. Tout. Hop. Tout ce que j'ai pas pris au premier passage. Alors y a pas grand chose hein, mais peut-être des trucs rares que je pourrais changer si j'ai de la chance. Je me dis pourquoi pas essayer. Quand il y aura un marchand. Ah nice. Oh non. Ah c'était blindé. Alors là s'il y a de la nourriture, je suis preneur. Aïe, oh c'est génial. Tac. On s'en fout. Je vais lâcher les... Hein? Ouais, je vais lâcher ça, Joseph. C'est bon pour les échanges. Je prends. Voilà. Ah nice. Ouais c'était vraiment petit ici je me souviens. On va pouvoir ouvrir ça. Alors, qu'y avait-il dedans? Une cigarette. On va prendre la cigarette. Alors. Hop. Allez, avance, s'il te plaît. J'avais pas été non plus là. Bah, ça, c'est bien. Je suis venu avec le pied de biche maintenant. Ouais, bon, y a rien de plus. Ouais, c'est tout ce qu'il y a enfin. Allez hop. Il devrait y avoir des trucs intéressants. Du café encore, ça c'est excellent. Voilà, c'est quoi ça? Fertilisant, nice. Et...
Ah, le bandage, il me faudrait en fait. Et là, qu'avons-nous? Ok, rien. Bon bah vas-y. C'est bon, on a fait le tour. On va rentrer tranquillement. Alors là, c'était une nuit paisible, hein. Mais j'ai bien fait d'y retourner. Trouver des trucs très intéressants, ça c'est cool. Allez, jour 15, hein, quand même, hein, mine de rien. Les bandages, occupons-nous de cette blessure. Nickel, il s'est rien passé dans la nuit. Alors, a besoin de repos, triste. De légères blessures. Hop. On va se soigner. Ah, j'ai plus de bois, je crois. Pour faire la bouffe, en fait. Maintenant que ça me revient. Et ça, c'est embêtant. On va voir, mais il me semble que c'est ça. Hein. Alors, fais voir. Voilà, il me faudrait deux. En faire avec un bouquin et tout sacrifier. C'est dur mais bon. Hop, le bouquin. Voilà. Fabrique-moi ça. Je sais pas si nous allons réussir à les garder longtemps au chaud, j'ai plus de bois, hein, ça y est. Hein. Pour le moment, pas faim. T'as besoin de dormir aussi. Hop, voilà. Besoin de repos. Elle a faim, elle a besoin de repos. Toi, on va aller là. Le mec monte par là, logique. Moi, je peux plus rien faire. Air et frais, on a déjà eu. La musique classique. Ouais, bah, c'est toujours pareil. Ouais, c'est pareil que la dernière fois, en fait. D'accord. Ah, bah voilà. Je vais en remettre un. Mais ça fait toujours une bouffe gratuite. Ça c'est bien. Ah là, je peux mettre ça aussi. Bien. Voilà, c'est parfait. Nos affaires. On a beaucoup de trucs pour troquer. Pardon. Sinon. J'ai ça, j'en ai 7 encore, ça, d'accord. Là, ça me paraît normal. Ouais, non, j'ai plus assez. Ok. Bon, bah sinon, il n'y a rien d'autre. On a juste à terminer la journée. Voilà. Allez, hop. Voilà, assieds-toi. Terminer la journée. Alors, de légères blessures encore, triste et enfin. Tu vas partir collecter. Toi tu vas monter la garde. Toi tu vas dormir. Et où c'est qu'on va aller? Beaucoup de nourriture, de médoc. D'armes, etc. etc.
On va aller dans ce petit immeuble. Il y a 7 jours le dernier. Voilà, hop. On va repasser par là. Allez, la pelle va faire son travail. Il y avait des ennemis là-dedans, je sais même plus. Je ne sais plus. Hop, on prend tout ça. Il y avait sûrement des ennemis. Quelque chose dans le frigo. Ça va devenir hard, j'ai l'impression. Welcome to hell. Maman. Ok. Vas-y, viens, mec. Ok. J'aurais pas dû. Barrons-nous. Ok, je me barre. J'ai fait. Il fallait pas que je fasse ça. Moi sortir. Ok. Bon, ça c'est pas bien. Mon dieu. J'ai failli perdre Katia. Le couteau c'est pas top. Hein. Oh la vache. J'ai une blessure, ça a l'air plutôt grave. Dur. Ok, afin. Triste. De graves blessures. A très faim. Et il a faim. Ok. Et j'ai plus de bois. Je ne peux plus. Je crois. Dehors. Ah, je ne peux plus. Ok. D'accord. Du coup. Hop. Tu vas manger, tu vas dormir, toi. Bah non. Toi, tu vas aller dormir direct, en fait. Elle qui a très faim. Allez, va manger. Et du coup, j'ai ramené quoi? Rien de... Rien d'utile pour la construction. J'ai peut-être loupé quelque chose dans le jeu. Hein. J'ai aucune... J'ai plus de ressources, là. C'est embêtant. Il n'y a plus de feu non plus. Ah non, il fait 17. Ah, la misère. Faim, besoin de repos, bon, va te reposer. Il a juste faim. Ouais, effectivement, il y a quelqu'un à la porte. Quelque chose qui va vous plaire. Vas-y. Vas-y, vas-y, mon ami. C'est qui lui?
D'accord. C'est peut-être ce qu'il me fallait, hein. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Est-ce que je fais ce que je peux? Attendez. Attends. Alors, voilà. Ça, il me le faut. Ah, tout ce qui est bouffe, il me faut. Il a pas grand-chose, hein, ce con. Il a pas grand-chose. Déjà ça. Contre. J'avais de la cigarette, il l'a fumé le mec. Ok, marché conclu. Est-ce que je peux prendre un petit truc en plus? Et... Ok. Ouais. Marché conclu. Y a pas autre chose que je pourrais prendre d'intéressant? Qu'est-ce qu'il a? Tac-tac. Il a plein de matériaux, le mec. Qu'est-ce qui serait bien? Ça, t'aimes bien. Quoi d'autre? Une arme? Non. Hein? Quelle générosité! Tout ton bois, mec. Non, mais non. Je me trompe. Pas ça. Je vais te donner ça. Pas assez, normal. Ok, marché conclu. Juste pour ça? Nickel. Voilà. Allez, au revoir. Nickel. Allez, à te soigner. Il a faim. Pareil. Je vais mettre deux trucs là-dedans. Là, je me suis mis bien. Ça. Il va manger. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais, bah, on peut faire ça, l'atelier de plantes. Avec moi ça. Ça marche, ça marche. Elle c'est bon, elle a juste faim. Je me suis mis bien, il manquait juste de bouffe le mec. Mais il avait des ressources. Ça c'est quand même bien. Je n'ai plus d'eau de toute façon. Qu'est-ce que je peux faire avec les herbes? Ah, je peux faire des bandages. Il me faut quoi? C'est quoi ça? De l'alcool pur. Carré.
médicaments à base de plantes, c'est pas terrible. Un beau jardin. Ok. Pierre est roulée. Bien, bien, faut tester, hein. De toute façon. Hop. Je peux en faire 8, ça m'en rapporte 4 à chaque fois. Ça, je vais mettre 2 heures à les faire, moi. D'accord. Emilia. Tu vas aller là, tu vas me construire un filtre. Ou alors est-ce que tu peux améliorer ça, Emilia? Ah, c'est dommage. Qu'un peu de ressources. Fabrique-moi ça, voilà. La nuit. Bon alors c'est la dernière nuit que je vais passer et on arrêtera ce stream qui commence à devenir bien long. Malheureusement. J'aurais aimé aller jusqu'à la fin, mais enfin, malheureusement c'est quand même bon signe. Ça veut dire qu'on a été long hein, dans cette partie déjà. De rien. Alors. Katia. Non, elle a des graves blessures, elle va dormir, Katia. Toi, t'as faim, tu vas monter la garde et toi, tu vas partir collecter. Où c'est qu'on va aller? Alors là, seulement je savais. L'hôtel, 41%. L'hôpital, il y a plein de trucs à l'hôpital. Médicaments, beaucoup de pièces. Je vais aller à l'hôpital alors. Allez hop. Partir collecter, on verra bien. Faut de la nourriture de toute façon. What? Ok, 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 ok. Voilà. C'était la fin de la journée. Ah bah merde. Jour 17. Je peux pas aller à l'hôpital alors. Ah là là, il a rien ramené, il est blessé. Le con. Et nous avons été pillés. Alors, ça a l'air plutôt grave. Il a été légèrement blessé. Et on m'a volé voilà, tout mon stock de tabac. Ah les enfoirés. Bon bah voilà. Ah c'est pas vrai. Bon bah c'est pas grave. On verra la suite la prochaine fois. Enfin ce qui va être sûrement un désastre. Mais bon, là, là, on en a assez vu pour aujourd'hui. Donc voilà, je vous remercie à tout le monde d'être venu regarder ce stream. On aura la suite, je sais pas si ce sera la prochaine fois, mais on aura la fin de cette partie en tout cas. J'y tiens. Et en tout cas, un très bon jeu. Une très bonne surprise, j'aurais entendu parler. Comme quoi, franchement, les jeux indépendants, il faut toujours aller voir ce qui se passe de ce côté-là, parce qu'on trouve des bonnes petites perles comme ça, qui en est vraiment une. Donc voilà. Je vous souhaite un bon week-end et une bonne fin de journée. Allez, ciao tout le monde!